Maintenant, vous faites référence aux Schtroumpfs. Moi, je trouve que pour le créateur des Schtroumpfs, c'est pas gentil, hein. Parce que l'espèce de Philippe Catherine. Gros machin qui se dandinait, c'était pas très sexy, hein. Je sais pas. Il y a un hobby particulier chez Philippe Catherine. Tout le monde sait autour de la table, vous allez adorer ce hobby. Ouais. Une passion. Je sais que tu es un collectionneur, un poil original. Oui. D'accord. Est-ce que, on va y aller franchement, est-ce que c'est vrai que tu collectionnes les propres popos? Popos, qu'est-ce que c'est que ce langage enfantin? Des caca. Des caca, des excréments. Absolument, des excréments. Mes propres excréments, c'est vrai. En gros, combien en avez-vous? J'en ai une, je sais pas, 150, 200. Philippe Catherine, vous êtes un génie! Moi, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup, comment tout est laid. L'art moderne, l'architecture moderne, plus souvent qu'autrement, c'est franchement laid. Alors que ce qui se bâtissait avant la Deuxième Guerre mondiale était généralement magnifique. Même les embouts de gouttière étaient raffinés à la fin du 19e siècle. En fait, la beauté et l'esthétisme étaient au centre de tout. C'est d'ailleurs prouvé que le cerveau réagit positivement quand il est exposé à de la beauté. Ben, sachant ça, on pourrait faire attention d'en mettre partout, mais non. Maintenant, on est dans une tendance plutôt anti-humaine, parce que personne qui respecte foncièrement les humains les ferait travailler, apprendre ou habiter dans des lieux aussi laids. Exactement comme en 2014, vous aviez eu sur la place Vendôme, la plus belle place de Paris, un plug anal. Et ben là, déjà à l'époque, on a dit « Non, c'est pas un plug anal, c'est un sapin de Noël ». Heureusement, les fact-checkers n'étaient pas encore aussi présents, aussi parasitiques dans la société de l'époque. Donc, ils n'étaient pas venus à l'époque dire « fact-check, c'est un sapin de Noël ». Puisque l'auteur l'a dit. On a eu la même chose pour cette mise en scène absolument horrible, où vous avez le metteur en scène, le scénographe qui a dit « Mais non, c'était pas la scène, oui, pas de bol, en fait, tous les autres le disent, y compris la DJ qui est au centre, y compris France Culture, donc... » Bon, mais les fact-checkers vont dire « Ah, il a dit que c'était pas la scène, donc il a raison. » Oui, ce serait aussi intelligent que de dire « Le plug anal de la place Vendôme, c'était un sapin de Noël, arbre de Noël. Bah, » Bah oui, si l'auteur l'a dit, l'auteur peut pas mentir, cet art ne ment pas. De toute façon, la beauté ne ment pas, cet art est beau, donc il ne ment pas, tout est logique. La personne qui a incarné le rôle de Jésus dans la scène de la cérémonie se définit elle-même comme une lesbienne queer juive obèse très fière d'être ce qu'elle est. Par contre, regardez l'autre photo. Et là, on voit ces oscillations perpétuelles qui est que des gens qui, au fond, ne sont pas en paix avec eux-mêmes tout en prétendant l'être, eh bien, vont manifester de manière très ambivalente quelque chose de tantôt transgressif et tantôt victimaire. Safia Nolin. Tu sais, je sais maintenant, ben je sais, ça fait longtemps que peu importe ce que je vais dire, ce que je vais faire, il va toujours avoir des gens pour critiquer. J'ai du poil, je suis grosse, je suis arabe. Je sais que pour des gens, j'incarne la wokeness, le snowflake de gauche, les islamo-gauchistes, je sais que c'est ça que j'incarne pour certaines personnes, tu sais. Mioa, Mioa, je sais que c'est moi la plus belle. Notre nouveau spectacle. De juillet 2020 avec Marie-Pierre Morin qui est de retour dans la lumière. Donc, croyez-vous, pardon? J'haïs ces questions, je m'excuse, ça m'angoisse tellement. Là. J'entends son nom puis ça m'angoisse. Que... une profiteuse, méchante et envieuse, une sale hypocrite, toujours en train de me plaindre, une grosse connasse,